Salut! Tu veux passer un examen en français, le DELF, le DALF, ou tu veux progresser en t'amusant? Tu es au bon endroit, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je t'embarque dans mon quotidien. C'est parti! Bienvenue depuis le sud-ouest de la France. Je suis arrivée hier soir. Je vais rester 3 jours. Ça va être très très court, mais c'était très important pour moi de passer les fêtes en famille et de pouvoir déconnecter un petit peu de Barcelone. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on est le 24 décembre. Donc ce soir, c'est le réveillon de Noël. Le 24, je pense que ceux qui fêtent Noël savent comment ça se passe. En général, on court du matin au soir pour que tout soit prêt. Donc j'ai pas mal de petits achats à faire, je dois trouver les derniers cadeaux, parce que la plupart des cadeaux sont prêts. Je dois acheter du papier cadeau pour recouvrir les cadeaux que je vais acheter. Et je vais aller dans la librairie que j'adore ici. J'allais dire une petite librairie, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de choix pour trouver un livre que je ne trouve pas à Barcelone. Je suis désespérée, j'ai fait toutes les librairies, toutes les Fnac. J'avais pas envie de l'acheter sur Amazon. Je vais aller dans cette librairie que j'adore en espérant qu'ils aient ce livre, mais je pense que oui. Je dois aussi aller acheter une brosse à dents parce que quand je voyage, j'oublie presque toujours ma brosse à dents. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi, c'est la chose que j'oublie toujours. Je sais pas si vous êtes pareil, mais voilà, il y a toujours quelque chose qu'on oublie. Moi, c'est ma brosse à dents. Normalement, cet après-midi, j'espère avoir assez avancé dans tout ce que je dois faire. Je vais retrouver mes cousines pour aller faire quelques jeux de société, enfin histoire de se retrouver et de passer du temps ensemble. Le soir, ça sera le réveillon. Et demain, on devrait tous se retrouver pour le jour de Noël pour faire un déjeuner tous ensemble. Le 26, on aimerait aller faire une randonnée dans la montagne noire, qui est la montagne qui est où je suis, dans le Tarn. Et le 27, ça sera déjà le moment de repartir. Les achats sont terminés, il est temps d'emballer les cadeaux. J'ai trouvé un papier cadeau trop mignon avec des Pères Noël. J'adore emballer les cadeaux, mais je suis nulle pour faire les paquets cadeaux. On va voir cette année si j'ai progressé un petit peu. Aujourd'hui, on est le 26, c'est le lendemain de Noël et j'ai décidé de me lever tôt pour aller lire dans un café. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire partout où je vais
Et encore plus dans ma ville natale, j'aime bien marcher seule dans les rues. C'est un petit peu une sorte de pèlerinage. Chaque rue me rappelle un souvenir quand je vivais dans cette ville. Voilà, c'est mon petit pèlerinage du matin. Je t'emmène avec moi.